Bonjour à tous et bienvenue sur Destroyer de U-Boat Hunter. Aujourd'hui, petite vidéo parce qu'il y a eu une petite mise à jour de fait sur la version avec des rajouts. Des rajouts pas dégueux, notamment il va y avoir plus de communication des opérateurs par rapport notamment aux collisions, aux risques de collision, d'iceberg, tout ça, etc. Le destroyer a plus d'influence aussi, l'escorteur a plus d'influence vis-à-vis du U-boat, c'est-à-dire qu'en fait le sous-marin va être plus intimidé par le U-boat et le simple fait d'avoir un escorteur à côté de proche du U-boat peut dissuader le U-boat de tirer. Il y a aussi des réajustements qui ont été faits au niveau des charges de profondeur, au niveau aussi de l'utilisation de la souris, au niveau de plein de petits bugs à droite à gauche. Un truc vachement important, je trouve. Il y a maintenant la possibilité de repêcher les rescapés d'un torpillage. C'est-à-dire que le bateau a été torpillé, là, comme sur l'écran, là, et puis le bateau coule et vous avez des naufragés. Eh bien, ces naufragés-là, vous pouvez les récupérer. Alors après, c'est une question difficile parce que le U-boat, si vous voulez récupérer les passagers, enfin les naufragés, eh bien rien n'empêche le U-boat de vous tirer dessus, hein, parce que pendant le temps que vous récupérez les naufragés, vous devez vous approcher d'eux, vous devez stopper, vous devez les ramasser, enfin les repêcher, quoi. Et ça prend du temps, il faut rester sur zone pendant un petit moment. Et pendant ce temps, le U-boat, eh bien, il fait ce qu'il veut. Et donc il y a un petit choix cornélien à savoir, est-ce que on peut se permettre de récupérer les naufragés? Parce qu'aussi pendant que vous récupérez les naufragés, le U-boat, il peut tranquillement attaquer les autres aussi. Pas forcément vous tirer dessus, mais attaquer les autres. Donc bon, à vous de voir. À vous de voir, moi j'ai fait un test de récupération pour voir comment ça fonctionnait. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça marche. Après, il n'y a pas de. Il n'y a rien de très spécial dans le jeu à proprement parler, mais ça fonctionne effectivement. Vous restez un temps sur place à l'arrêt avec des risques. Alors on va se faire un petit truc custom, hein. On va pas faire un truc forcément dingos. Donc on va mettre 10 navires, course du convoi, on s'en fout un petit peu. Hop là, 192, c'est très bien. Blabla, class flower class, river class, donc ça non. On va rester seul pour l'instant. 1, ça suffit très largement pour le moment. Morning, je sais pas, ça par exemple. Weather, alors ça c'est un truc que je trouve qui est un petit peu dommage, c'est que même quand il y a la tempête, ça fait pas vraiment très tempête quoi. C'est pas fifou. Donc bon, on s'en fout. On va mettre ça, allez hop. On s'en fout, 1 heure, très bien, pas de support aérien. Bon, ouais, c'est parti. Alors, on va faire de l'attaque. Ouais, depth charge réaliste. Là, c'est quoi ça? Oui, non, mais ça, de toute façon, il n'y en a qu'un, donc on s'en fout. On va laisser à large. Et là, il y avait quoi? Il y a un bush, rescue. Alors, oui, donc vous pouvez faire ça en fait, hein. Si on a l'opportunité, on peut donc récupérer des gens. Champ de glace, attaque. On va prendre ça. Allez, hop, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, on va passer. Hop, on skip. Ok. Alors, déjà, en avant 1, 2. On va se mettre au combat. On va regarder. Moi, je suis là. Il y a un truc là-bas. Déjà, pour commencer, on fait une route au 192. Donc, on arrive comme ça. On peut regarder vite fait. Tcha, 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 tcha. Alors, on voit que les écrans ont un petit peu changé. Que les écrans ont un petit peu changé. Pourquoi j'ai pas de son? Pourquoi j'ai pas de son? Pourquoi j'ai pas de son?
Effect, bah si pourtant. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Allô? Bon, on va faire un test, hein. 190. Ah si, bon, ok. Ah ben voilà. Dans le 166. 166, paf. Ok. Donc là, déjà, lui. Hop. Start tracking contact. Target acquired. Hop. Allez, feu. Fire. Contact able. Oh, ça Now parle n'importe où là. bears. One, C'est quoi ce délire? six, niner. Range 2,700 yards. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Target bearing. One, seven, two. Range 2,600 yards. Fire. Tiens, n'importe comment là-haut. Fire. Contact able. Now bears 1, 7, 3. Range 2,595. Target bearing 1, 7, 4. Range pour le battage des. Pour le battage. Fire. Et là, bon, ok, il plonge. Fire. Fire. Hop là. Contact able. Now bears 1, 7, Ok. 4. Hop, on avance standard. 2,300 yards. Alors là, pour le coup, je trouve que le son il est un peu trop fort. Hop, on va se mettre à 30. Allez, hop, on va se mettre à 30, c'est très bien. Le target, oui, bah ça, évidemment, hein, ça j'avais compris. Donc, là, on voit que la main elle a changé aussi. Alors, on va faire. Sonar, this is the captain. Investigate arc. 1, 6, 7, 140, 160. 2, 5, 7. On va se mettre par là. Hop. Investigating arc. 1, 6, 7, through 2, 5, 7. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc. 1, 4, 9, through 2, 3, 9. Combat sonar. Investigating arc. 1, 4, 9. Ok. 9. Sonar eye. Sonar, new sonar contact. Bearing 166. Range 1,600 yards. Donc lui il est là-bas, le convoi. Ok. Bon, en tout cas le U-boat est devant nous. Donc déjà, ça nous permet. C'est quoi ce contact là que j'ai là dans le 100, 200, 200, 250? Stand by the fire. Il voit quelque chose, lui? Ah oui, il est là. Combat sonar, contact, able, now bears, 1, 5, 0, range, 1,100 fire. Yards, bearings drifting left. Ok, donc en route, hop, au 120. Sonar, hop là. C'est où le 120? 120. À 90, 100, 120. Pouf, on va mettre par là. Ok. Très bien. Donc il est en shallow. Merde, j'aurais dû passer en ça. Chier. Pardon. Hop. On l'a perdu. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 4, 9, 2, 2, 2, 9. Active search. 0, 4, 9, through 2, 2. 9, aye, sir. Ouais.
faut essayer de le retrouver. Combat sonar, investigating arc 0, 9, 5, through 1, 8, 5, sonar I. Alors, faut pas oublier qu'il y a quand même des bateaux derrière, donc ils sont là. Donc lui, certainement qu'il est en train de partir là-bas, direction le convoi. On va faire une route au 90. Investigating arc 0, 6, 3, through 1, 5, 3. Aye, sir. Ok. Stand by the fire. Je vais essayer de le choper. Je sais pas où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il pourrait être? J'ai pas les sons d'ambiance là. Oh, mais c'est quoi ce délire là? Musique, on s'en fout. Allez, appli. Bon, je sais pas, il y a un petit bug. Alors, est-ce que l'on voit un périscope quelque part? Est-ce que l'on voit un périscope quelque part? Là, il y a le convoi. Où est-ce qu'il peut être, hein, le coquin? Il faut qu'il soit parti de l'autre côté. Pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, rien du tout. Donne quoi le sonar? Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle. On va faire une boucle. Hop là. On va faire une petite boucle. Salut les gars, il fait sombre hein, chez vous, hein. Pourtant il fait jour dehors. Où est-ce qu'il peut être ce coquinou? Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 3, 4, 2, 1, 2, 4. Active search. 0, 3, 4. Où est-ce qu'il peut être hein? Surface radar has regained contact. Able bearing 2 5 dans le 255. Range 2000 yards. Allez, 255. Able now bears 2. Hop là. Chut. Viens par là toi. 2200 yards. Sonar combat. Investigate arc 1 9 6 through 2 8 6. Active search 2 0. D'accord, ok, il est là. Il est là. Il est là. C'est pas bien ça. Comment il a fait pour passer là, lui? Qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh là 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 là. D'accord, ok, il faut absolument le tirer dessus avant que. Ça c'est bien. Ah tiens, il y a un petit item. Ok, très bien. Ça devrait déjà le. Ça devrait déjà le calmer deux secondes. Je sais pas comment ils font là les. Pour avoir un battage comme ça. Enfin, c'est pas grave. Donc on est en route au 270.
Standard. All engines ahead full. Aye, sir. Lost contact. Able. Last bearing. 2, 5, 6. Last range. 2,300 yards. Alors, 9, 9 là. Donc on va bombarder et on va essayer de le suivre avant qu'il ne tire. Qui c'est lui là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un bateau en plein milieu là qui quoi? On va se rentrer dedans, évidemment. J'ai l'impression que c'est une spécialité chez moi, là. Non, c'est bon, on passe. On passe, on passe. Bah oui, ça passe crème. Ok, hop. En avant, deux tiers. Allez, faut essayer de me le retrouver. Il était au 200... Perdu 256. Donc là c'est quoi? 480, 90, 200, 210. Donc hop là, chut, on va monter par là. Sonar, this is the captain. Perform active search. 2, 5, 5, 2, 3, 4, 5. Active search. Combat sonar. Regain contact. Enfin, on remonte. Inverser le sweep pour faire le changement de côté. Ok, on l'a. Sonar, combat. Investigate arc. 2, 3, 1, through 3, 2, 1. Combat sonar. Investigating arc. 2, 3, 1, through 3, 2, 1. Sonar eye. Combat sonar. Contact. Able. Now bears. 2, 5, 2. 1,100 yards. Contact decreasing depth. Surface radar has regained contact. Able. Bearing 2, 5, 2. Range 1,100 yards. Lost contact. Able. Last bearing 2, 5, okay. 1. Last range 1,000 yards. Stand by to fire. Start tracking contact. Target acquired. Ready depth charges. Shallow pattern. Stand by to fire. Ouais. On va pas lui tirer dessus. On va pas lui tirer dessus dans le 250, ok. On va pas lui tirer dessus. Combat sonar, regain contact. Able, bearing 2, 5, 0, range 800 yards. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Hop. Alors. Oui. Ouais, c'est bien. Ok. On va essayer de le choper puis qu'il n'ait pas le temps d'aller taper Ouais, ok, on est là. Ça devrait quand même lui faire mal. Je comprends pas qu'il soit en immersion périscopique en étant aussi près. Enfin bon, ça c'est son problème après. Combat sonar, contact, able, now bears, 2, 3, 5, range, 2, ouais. Right cut. Ok, donc ça va être bon là. Allez, on va tirer. Je sais pas si j'ai pas tiré trop tôt. On va voir. Able. Last bearing. Fire 3. 5, 4.
Smith. Ah, il y a des trucs marqués dessus. Ouais, je sais pas si c'est bien d'avoir ça. Regular damage. Ok, je sais, je suis pas fan de ça là, de voir les. Je suis pas fan. Non, ça, je suis pas fan. Je crois qu'il y a une, je crois que dans le truc justement, il y a une option où on peut l'enlever, le fait de voir si on touche ou pas. Pas assez immersif, je trouve. Enfin bon, en tout cas, c'est marqué, il y a un petit item qui fait que. Faudra voir si je peux pas l'effacer ça. Allez, là. Allô, je doute. On va récupérer le contact. Donc on l'a touché ici. Donc ça déjà, ça devrait le calmer un petit peu. Certainement, on va se mettre en moyen. Et on va essayer de le récupérer. Alors, le convoi, il est où? Il est là. En espérant que ça l'éloigne un petit peu quand même, parce que le convoi, il n'est pas très loin. Il n'est pas franchement très loin. Hop là, on va se mettre comme ça. Ce qui sera certainement plus dans le nord. Aye, sir. Ok, ce serait pas mal de le retrouver. Ce serait pas mal de le retrouver. On voit juste là, hein. Il est pas loin. Il est pas loin du convoi, le bonhomme. Hein. Donc ça serait pas mal quand même de. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Donc il va être dans le coin là. Il va être dans le coin. Elle est grossière là, mais le pointeur là et la main du curseur, c'est un peu gros. Bon, enfin, moi, c'est pas grave. Ah! Ok. Ok. Très bien. En distance, pas loin. 300 yards. Je sais pas s'il est profond ou pas. On va pouvoir bientôt lâcher une bordée. Du coup, s'ils tirent pas sur un cargo, on va pas pouvoir les récupérer des trucs. Mais c'est pas très grave. 327. Ouais, ok. Allez, feu. Oh putain. Faut me le dire les gars qu'il y a le convoi juste à côté. Hein. Il va biper encore comme un malade. On l'entend plus. Y a pas les sons d'ambiance. Hein. Complètement con. C'est sur bâbord. Miss. Ouais, ok. C'est nul ça, c'est nul. Il est vachement proche là, il est vachement proche. Barrez-vous les gars, barrez-vous quoi. Il est juste là là. Merde. Si ouais, comme ça. Allez hop. Sonar. Je fais une recherche comme ça. Donc le convoi est juste là, là. Oh là 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 là.
Ça va mal se passer, je sens. Sous-marin là, sous-marin dans le coin là, il est juste là. Il faut chercher dans le 100, 120, 100, 120. Oui, ben c'est ça. Bridge. On n'y voit rien là. On voit rien sur le bridge. Aucune notion de distance ou quoi. Ça sert à rien cette vue. Serait bien de récupérer le sous-marin là. Zéro la barre. Barre à droite toute. Sais pas où il est là. Enfin, si déjà ça lui donne pas, on dirait une nappe de pétrole là. C'est quoi, c'est un aspect du jeu ou? Ah non, il y a une nappe de pétrole. Attends, si je fais external view, ça fait quoi? Bah si, il y a une nappe de pétrole là. Ah, il perd du fuel. Le sous-marin perd du fuel. Ça veut dire qu'il n'est pas en bon état. Ça, c'est bien ça, les amis. Alors, par contre, est-ce qu'il traverse le convoi ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Il va falloir que j'essaie de le retrouver absolument. Mais là, ici, il y a une tache de fuel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Demi-tour, pas demi-tour? Pas trop d'idées sur la question. Mais par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir vu qu'il ait perdu du fuel, le bonhomme. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi le convoi il fait pas de zigzag là? Normalement, il devrait faire des zigzags pour empêcher. Enfin bon, ça, il faudrait qu'il le fasse ça dans une mise à jour, que le convoi fasse des zigzags quand on est attaqué. Alors. Le problème, c'est que. Problème, c'est qu'il va falloir le trouver. En avant 1. Barre 20 à droite. Où est-ce qu'il pourrait être? Où est-ce qu'il pourrait être? Où est-ce qu'il pourrait être Jakku le croquant là? Ouais, je sais pas où est-ce qu'il est. Devrait pas être très loin pourtant. Faudrait essayer de regarder plus dans le nord pour voir. Dans le quartier est, hein, comme ça, on va faire comme ça. 1 351, périscope. Allez, en route, c'est parti. 350. En avant 2. Combat sonar, investigating arc 2, 9, 1. Bridge, poor lookout. Object, one half to the horizon. Bearing, 3, 5. Dans la barre. Ok, je le vois. Combat sonar, investigating arc 280 through 010. Combat sonar, regain contact. Able, bearing 351. Range 300 yards. Bridge, starboard lookout. Object 1/3 to the horizon, bearing 351. Appears to be periscope feather.
une torpille, ça, non? Non. Ça ressemble à une torpille pourtant. Allez, on va y aller. On va y aller, bonhomme. Combat sonar, contact, able, now bears 3, 5, 1, range 200 yards. Bien, Very bien, bien, strong bien. propeller noise. Ah oui, il fait beaucoup de bruit. Il est juste là, donc. Là, on peut pas le louper. C'est pas possible. Là, on peut pas le louper, là. Combat sonar, contact, able, now bears 2, 6, 2, range Donc, il est 30 pile yards. dessous. Estimated depth shallow. Combat sonar, lost contact, Ok, able, lost last contact. bearing 2, Allez, 0, deux. 1, last range 30 yards. Un. Allez, feu. Oh là là, il est trop proche du convoi. Ok, la barre à droite toute. Allez, faut essayer de le rechoper. Essayer de le rechoper. Faut essayer de le rechoper. Combat sonar, investigating arc Ok. 2, 9, 7, through 0, 2, 7, sonar On va eye. essayer de le rechoper. Hop, on recharge. On va faire en arrow Ready depth encore. charges, shallow pattern. Ça a plus d'impact. Bridge, starboard lookout, object 1/2 to the horizon, bearing 2, 0, 6, appears to be periscope feather. 206. New Hop, course, en route au 205. 2, 0. À l'horizon, faut peut-être pas exagérer non plus. Oh, quand il est trop proche, quand il est trop proche, le coco. Ok. 28, 25, 26, ça c'est quand on a tiré. Investigating arc 176 through combat sonar. Regain Ok. contact. Able. Hop, Bearing 270. 5-7. Range 700 yards. Bridge, starboard lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 2-6-1. Appears to be Il est periscope là. feather. Ok, parfait. Et il est coquino, hein, celui-ci, hein. Bridge, starboard lookout. Object 1/2 to the Mais il tient horizon. pas la vie. Combat sonar, contact, able, now bears 2, 6, 8, range 600 yards. Ok. Combat sonar, contact, able, 100 now bears mètres. 2, 6, 9, range 600 yards. Bearings drifting right. Bridge, starboard lookout, object 1/2 to the horizon, bearing 2, 6, 9, appears to be periscope feather. Sonar, this is the Ok. captain. Investigate arc. Combat sonar, contact, able. Now bears 2, 6, 8, range 400. 400 yards. Combat sonar, contact, able. Now bears 2, 6, 7, range 400 yards. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 2, Oui, bah l'horizon, non, il est pas si horizon que 6, ça. Hein. 6, appears to be periscope feather. Combat sonar, contact, able. Now bears Bon, il va 2, dérouiller. 6, 5, J'espère qu'on va le choper range là ce coup-ci. 300 yards. Bearing steady, investigating arc 2, 0, combat sonar, contact, able, now bears 2,
5-4, range 200 yards. Estimated depth shallow. Shallow, oui, bah ça c'est sûr, parce qu'il est en Periscope Depth. Ok. Là, hop, ça va remonter. Combat sonar, contact, able, now bears 1-9-0, range 100 yards. Very strong propeller noise. Fire 2. Il s'est éloigné quand même du convoi là. Fire 3. Combat sonar, c'est pas terrible là ce que je fais, hein. Hop, on recharge. Ready depth charges. Shallow pattern. Hard right rudder. Aye, sir. Combat sonar. Lost contact. Able. Last bearing. 1-2-5. Last range. 200 yards. Sonar. This is the captain. Perform active search. Zero, oh, sonar. Five, this is zero, captain. Two, one. Active search 0-5-0 through 1. Combat sonar, regain contact. Ok, il est là, ok. Bearing, one, two, on va faire une boucle three, et on va redescendre sur lui. 500 yards. Pff, il est pas très loin, il est pas très 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 loin quand même. Tant qu'on le tient, il est comme ça, il fait une route comme ça, donc on va arriver, on va essayer de relever comme ça, de remonter sa route là. 143, ok. Très bien. Il fait une petite évolution vers le sud là. Ouais. Ouais, ça y est, tendance à partir. Sur notre droite, on va essayer de le remonter comme ça. Le mieux c'est de le remonter plutôt que de le croiser de face, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Shallow, oui, ok. Merci pour l'info. On va faire une route au 200. C'est dommage de ne pas avoir le bruit du bateau là. Je comprends pas pourquoi. Ça c'est bien. On va se caler comme il faut. Combat sonar, contact. Très bien. Now bears one, nine, comme j'ai dit 200, donc 190. Very strong propeller noise. 9-0. Course 1-9-0. Aye, sir. Voilà. Donc on entend bien le bruit de la propulsion. Donc là on n'est pas trop mal. Là on n'est pas trop mal. Combat sonar, contact, able, now bears 1-8-9, range 300 yards. On est bien là, on est bien. Là, on est pas mal. J'espère que ça va le faire. Combat sonar, contact, able, now bears 1. C'est pas grave, c'est très bien. 3, range 200 yards. Very strong propeller noise. Ouais, ok. Allez à tous, soyez prêts. 200 yards. Combat sonar, contact, able. Now bears. On a encore 0 yards, on est en train de passer par-dessus. Donc on va le perdre. Combat sonar, contact, able. Now bears 3, 0.
Allez, feu. Je tirais trop tôt, je pense. Je crois que j'ai tiré trop tôt. Merde. Ah non, je l'ai eu. D'accord, je l'ai eu. Ok. Bien, bien, bien. Il a fallu que j'y retourne plusieurs fois dessus. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai pas vu combien de temps j'avais mis pour le faire. Pas mal. Alors, 0 survivants récupérés, ouais. Bah oui, forcément. De toute façon, il a pas coulé de bateau. Donc, no ship lost, j'ai perdu aucun bateau. Tous les U-boats coulés, bah, il y en avait qu'un. Ok. Bon, on voit qu'un seul U-boat, la game n'est pas très équilibrée quand même. Bien que quand j'avais fait le test juste avant de faire cette vidéo, je me suis fait couler quand même un bateau. Mais bon, je voulais aussi voir comment ça fonctionnait là, la récupération là, des naufragés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être dans la deuxième game, on va peut-être mettre un petit peu un champ de glace par exemple, ou un truc comme ça. On fera une vidéo comme ça, un petit peu plus atypique. Ou alors je mettrai un deuxième U-boat. Alors avec un deuxième U-boat, il y a beaucoup de chances que je m'en sorte pas tout seul. Il va y avoir du carnage, mais à la limite c'est pas grave, ça sera bien, ça va nous permettre de mettre un petit peu de stress, de devoir gérer un petit peu plus la chasse quoi, parce que là pour l'instant, bon je tourne, je vire, j'arrive plus ou moins à l'attraper et j'arrive malgré tout à le descendre. Donc il faudra mettre un petit peu plus de difficulté la prochaine fois. Ou alors on reste sur un seul U-boat, mais je mets un peu plus de difficultés dans la simulation où je dois moi-même faire donc le graphique. C'est-à-dire que là, ça se fait automatiquement. On voit quand je tourne, tout ça, il y a des points qui se mettent automatiquement. En fait, on peut le faire manuellement, ça. Et donc ça peut augmenter la charge de travail. Donc ça peut être intéressant éventuellement de faire ça. Je sais pas, on fera peut-être d'ailleurs les deux, hein, l'une et l'autre. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'aura pas vu la récupération de naufragés. Donc en vrai, je pense qu'on va faire un truc avec deux U-boats la prochaine fois pour faire la récupération des naufragés, pour voir comment c'est, et voir si ça nous fout du stress ou pas. Voir si est-ce qu'on va les chercher, on va pas les chercher, ça va détruire d'autres. Parce que pendant qu'on récupère les naufragés, surtout s'il y a deux U-boats, ça va être un carnage. Ça peut être beau à voir. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine.